Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui une méditation que j'aime beaucoup, un centrage que j'aime beaucoup, la méditation des cinq sens. Vous allez voir, ça s'inspire énormément de la sophrologie, ça nous permet de nous ramener à nos sensations corporelles dans l'ici et dans le maintenant. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant pour sortir des attaques et des tempêtes qu'il peut y avoir dans l'esprit, dans le mental, avec trop de défilement mental. Quand vous avez besoin d'un outil concret pour revenir dans l'ici et dans le maintenant, eh bien, je vous propose cette petite méditation. Je vous invite à vous asseoir comme moi au sol, peut-être en Siddhasana, assis en tailleur comme ceci, ou vous asseoir en tout cas avec une posture où vous avez le dos droit. On va imaginer un petit cheveu qui nous tire le sommet du crâne. On se suspend, on est suspendu. Le menton recule un tout petit peu, les épaules se relâchent et on dessine un joli, léger sourire sur son visage pour relâcher les muscles du visage et puis changer aussi sa chimie intérieure. On se sécrète plus de dopamine, plus de sérotonine. Et puis on va fermer les yeux tranquillement, déposer les mains sur ses cuisses. On a une jolie posture noble, digne. Les méditants, vous savez qu'on appelle la posture de l'élu. Siddhasana, la posture en lotus, donc qui est représentée avec un dos le plus droit possible. Et puis tranquillement, les yeux fermés, on va ramener son attention au ventre qui gonfle et au ventre qui dégonfle. Tout naturellement. Le ventre gonfle, la respiration est naturelle. Et le ventre dégonfle à l'expiration. On inspire et on expire par le nez. La respiration telle qu'elle est, pas telle que je voudrais qu'elle soit, mais telle qu'elle est. Et puis tranquillement, on va déplacer son attention au toucher de l'air à l'entrée des narines. Sentir chaque inspiration qui rentre à l'entrée des narines et chaque expiration qui en sort. Je vous invite à repérer la différence de température entre l'air qui rentre et l'air qui sort. Et puis, de noter la différence d'humidité entre l'air qui rentre et l'air qui sort. Le ventre est toujours complètement détendu, la sangle abdominale est détendue, la posture est légère, suspendu. Et puis tranquillement, on va amener son attention au son qu'on a autour de soi. Est-ce que vous entendez peut-être les voitures au loin, peut-être le vent dans les feuilles, peut-être les enfants qui jouent au loin, peut-être les bruits de la cuisine? Dans cette jolie posture détendue, j'entends tous les sons que je peux entendre, tous les sons extérieurs. Et puis tranquillement, vous allez maintenant percevoir vos sons intérieurs. Écoutez votre respiration, le frottement de l'air quand il rentre dans vos voies aériennes supérieures. Le frottement, le bruit de l'air quand il sort à l'expiration. Écoutez votre cœur, ses battements, ses pulsations. Est-ce que vous arrivez à apaiser votre esprit suffisamment pour entendre votre cœur qui bat? Vous entendez toujours les sons extérieurs, vous entendez ma voix, mais votre oreille est tournée vers l'intérieur. Vous écoutez votre respiration et vous entendez, vous percevez vos pulsations cardiaques. Peut-être au niveau des carotides, au niveau de la gorge, peut-être au niveau des aisselles, peut-être
dans votre torse. Et puis peut-être vous allez percevoir aussi des bruits digestifs. Est-ce que vous percevez les bruits de la digestion? Et puis tranquillement, on va déplacer son attention sur tout ce qui touche notre corps. On va sentir le poids de son pull, de sa chemise, de son t-shirt. On va sentir le poids peut-être du pantalon, le toucher du pantalon sur ses jambes. Sentez peut-être l'élastique des chaussettes, l'élastique des sous-vêtements. Prenez conscience de tout ce qui touche votre corps. Prenez conscience du poids de votre corps dans votre assise, les zones de votre corps qui touchent le sol. Et prenez conscience de leur poids. Et toujours dans cette jolie posture légère, détendue, suspendue, prenez conscience maintenant du toucher de l'air sur votre peau, sur les parties nues de votre corps, le visage, les mains. Sentez le toucher de l'air. Sentez le toucher de l'air sur vos cheveux aussi. La respiration est toujours détendue, naturelle, légère, par le nez. Et puis tranquillement, on va déplacer son attention sur qu'est-ce que je vois derrière mes paupières fermées. Mes paupières sont fermées et je distingue toutes ces taches d'huile, toutes ces couleurs, ces hologrammes que je vois derrière mes paupières fermées. Prenez-en conscience. Qu'est-ce qui se dessine devant vos yeux ? Et puis tranquillement, toujours avec une posture légère, suspendue, une respiration calme, naturelle, avec un ventre détendu, vous allez déplacer votre attention sur toutes les odeurs que vous arrivez à sentir. Vous allez prendre, sur les trois prochaines inspirations, vous allez essayer de percevoir une odeur. Une odeur qui se dénote. Peut-être une odeur de fleurs qu'il y a dans la pièce. Peut-être une odeur de parfum. Peut-être l'odeur de la nature. Peut-être l'odeur d'un plat cuisiné que vous avez mangé il y a peu de temps. Et puis dans les trois respirations qui suivent, vous allez essayer de percevoir une autre odeur. Essayez de distinguer, aussi fine soit-elle, toutes les odeurs que vous arrivez à dissocier, à distinguer, qu'il y a dans votre entourage, ici et maintenant. Et puis calmement, tranquillement, paisiblement, on va déplacer son attention sur les goûts que vous avez en bouche. Quel goût j'ai en bouche maintenant tout de suite? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est salé? Est-ce que c'est amer? Qu'est-ce qui se passe dans ma bouche? Quelles sont les saveurs que j'ai? Je prends conscience de ça tout en restant avec une respiration calme et détendue, avec une posture légère et suspendue. Et puis tranquillement, je vais mélanger tous mes cinq sens et percevoir pendant quelques instants tous mes sens en même temps. Qu'est-ce que je goûte dans ma bouche? Qu'est-ce que je vois derrière mes paupières fermées? Qu'est-ce que j'entends avec mon ouïe? Qu'est-ce qui touche mon corps? Qu'est-ce que je sens
avec mon nez. C'est une focalisation très douce de tout votre esprit, une concentration très douce et en même temps très puissante sur les cinq sens en même temps. C'est vraiment un principe et un outil qui est fondamental, qui va vous aider à revenir dans l'ici et dans le maintenant. On sature son attention avec nos cinq sens, avec toutes les sensations corporelles qui émergent avec les cinq sens dans votre corps. On est profondément ici et maintenant, relié à l'ici et au maintenant à travers ces sensations corporelles. Et puis tranquillement, on va prendre une grande inspiration et on va soupirer. Plusieurs fois, on inspire et on soupire pour faire intégrer à ses cellules, à son corps, tout le calme, toute la sérénité, toute la paix qu'on a contactée à travers cette méditation des cinq sens. J'inspire. Et je soupire pour faire infuser mes cellules de cette sérénité, cette paix. Et puis tranquillement, avec un joli sourire, on va rouvrir les yeux et je vais vous inviter à bâiller et à pendiculer, c'est-à-dire à vous étirer pour relâcher tranquillement le corps. Laissez les mains aller où elles ont envie de frotter pour stimuler peut-être certaines zones énergétiques, certains méridiens, certains nadis. Et puis vous allez dénouer les tensions tranquillement. Passez une très bonne journée. À très bientôt pour une prochaine vidéo.